Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit suivi des Acanthosaura capra parce que vous avez été nombreux à beaucoup aimer la vidéo où je suis justement, où j'expliquais que j'étais allé chercher de nouveau un couple d'Acanthosaura capra qui en plus avait pondu des œufs. Alors là, je vais vous faire un petit suivi de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo et on va voir ça ensemble. Alors du coup, ben, on va ouvrir et je vais t'expliquer un peu tout ce qui se passe. On va essayer même de leur donner à manger. Donc j'ai récupéré quelques blattes que j'ai mis dans un verre. Voilà, tu peux les voir. J'en ai mis un peu partout. Oui, vers la Reine des Neiges. Comme vous savez, tonton mange beaucoup de moutarde et du coup, ben, je garde les verres. Parce que les verres à moutarde, ben, c'est des jolis verres. Les enfants, ils sont contents à chaque fois. Bref. Alors le couple se porte très très bien. En voici une juste là, ça c'est une femelle il me semble. Ici nous avons un mâle et deux autres. Alors je crois que c'est deux autres femelles du coup. Comme vous pouvez le voir, il n'y a jamais eu en fait de problème au niveau du comportement. Ça veut dire qu'ils vivent ensemble, en communauté, il n'y a vraiment aucun souci. Ils mangent sans aucun problème aussi. Et ben, il n'y a pas de différence au niveau du comportement. Ça veut dire que les nouveaux ça, se sont très très bien adaptés. Et vivent en parfaite harmonie avec ceux qui étaient déjà dans le terrarium. Il n'y a vraiment aucun souci, comme vous pouvez le voir. Ils sont souvent côté grille. Alors, je trouve que c'est une très bonne chose cette grille. Et depuis, je n'ai jamais eu aucun problème de condensation. Alors, comme vous voyez, toujours pareil, le potos, parce que ça s'appelle du potos, pousse super bien. Voilà, partout, ça se développe très bien. C'est vraiment, vraiment une plante qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. On va essayer de nourrir la petite femelle qui se trouve là-haut. Alors, c'est celle qui avait pondu les œufs. Alors, comme vous pouvez le voir, elle a assez peur de tonton, mais après, il n'y a pas de souci pour manger. Alors le truc dans l'histoire, c'est que c'est assez rare quand on leur donne à la pince, donc ils sont un peu pétochards, mais ça va. Par contre, il y a des endroits comme ici, là, où il y a directement un endroit pour, où on lâche plein de blattes Red Runner. De temps en temps, elles montent les unes sur les autres, donc elles arrivent à se libérer et à partir. Et comme ça, ça leur fait quand même différentes zones à plusieurs endroits où les Acanthosaura peuvent directement aller se nourrir quand ils en ont envie. Du coup, là, il y a toujours de la nourriture en abondance dans le terrarium parce que c'est vraiment une espèce que je compte nourrir en permanence et non que occasionnellement ou de temps en temps. Je préfère leur donner tous les jours de quoi manger. Je vais tenter de le nourrir aussi. Ouais, il mange sans aucun problème, même si c'est caché au fond. Je croyais que qu'il n'allait pas manger, si si, ça mange. Une mignonne petite femelle. Alors que ça soit les femelles ou les mâles, en fin de compte, tout le monde s'entend très très bien. Comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment aucun souci au niveau du comportement. Alors j'avais un petit peu peur, mais je me suis dit, vu la taille du terrain, bon bah à la limite, ils se mettront chacun de leur côté, puis basta. Mais en fin de compte, pas du tout. Ils restent la plupart du temps groupés ensemble. Et ça fait plus d'activité, on voit un peu plus de lézards dans le terrarium, du coup, je suis vraiment super ravi. Alors, je rappelle qu'il y a 60 cm de profondeur et que c'est un terrarium qui fait
plus d'1,80 m de longueur sur 1 m de hauteur et 2 aquariums. Mais c'est des aquariums, je pense que c'est en moyenne du 70 à 80 litres. C'est des petits aquariums qu'il y a à l'intérieur. Oh là, toujours pareil. Hein. On voit, ça c'est une pousse à tonton. Quand vous le regardez, je mets directement alors les branches dans l'eau. Vous allez voir, regardez, ça c'est les racines de celle-là. Regardez-moi ça. C'est vraiment pour vous dire que c'est des plantes qui ont besoin beaucoup, beaucoup de boire pour pouvoir, vous le voyez, bien se développer. Et petit à petit, comme ça, on retirera toutes les fausses plantes qu'il y a au fond, qui étaient là au début pour agrémenter un petit peu le terrarium pour pas que ça fasse vide. Progressivement, on va vraiment développer que des vraies plantes et retirer les fausses plantes. J'ai commencé à le faire. Alors celle-là, je vais en acheter d'autres aussi parce que je les trouve vraiment super bien. Comme ça, on retire toutes les fausses plantes progressivement. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas fait un super décor de fond avec de la mousse expansive, tout ça, travailler sur un décor de fond au lieu de laisser directement blanc le terrarium. Ben ça, c'est un choix personnel parce que je trouve ça joli en fait que l'intérieur soit blanc mais laminé parce qu'avec la lumière, ça fait vraiment très éclairé, très très clair et non quelque chose de sombre. Comme c'est un terrarium qu'il y a directement dans mon salon, je voulais quelque chose de très clair, très éclairé. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Et les goûts et les couleurs, forcément, vous le voyez bien, mais la tenue vestimentaire de tonton, qu'il n'a pas toujours les mêmes goûts que tout le monde. Petite question du jour, petite pause pour la question du jour. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous avez déjà fait de la reproduction d'animaux. Peu importe, hein, ça peut être chat, chien, ça peut être écureuil, ça peut être serpent. Voilà, dites-moi directement dans les commentaires si vous avez déjà reproduit des animaux, que ça soit mammifères, reptiles, insectes, etc. Je suis très curieux et me tarde de lire tous vos commentaires. Donc c'était une petite vidéo bonus en attendant les prochaines vidéos pour vous montrer un petit peu, pour vous donner des nouvelles. Il en manque un ou deux encore, je ne les ai pas tous comptés là. Ils doivent être, je pense qu'ils sont au fond, derrière la plante. Alors c'est vraiment pour vous donner des nouvelles et vous dire que oui, tout se passe très très bien. Tout marche du feu de Dieu dans cet aquaterrarium. Alors moi je dis aquaterrarium, le vrai nom c'est paludarium, mais après j'ai ce réflexe de dire aqua terrarium parce qu'il y a aquarium et terrarium, mais on peut appeler ça directement un paludarium. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, mais n'oubliez pas que le meilleur pour soutenir la chaîne, c'est tout simplement de cliquer sur les deux vidéos qui se trouvent au-dessus. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.